Catherine, c'est un peu la consécration pour toi et tu n'es pas une jeune rideuse. Ça fait donc d'autant plus plaisir de gagner le classement général. C'est l'expérience qui a fait la différence? Oui, c'est un peu ordinaire. Ce classement s'appelle jeune talent et moi je ne me sens pas très jeune ici parce que je suis toujours la plus vieille participante, mais quand même je me fais plaisir quand je fais les étapes des ouvertures et sinon je me fais plaisir en faire ça, je continue. De gagner le classement général, c'est quand même la bonne nouvelle de la saison. On va te retrouver où après? Après les ouvertures, je fais encore faire le European Open à l'Ax et je fais encore faire les ouvertures de Halfpipe aussi et je fais aussi la Coupe du Monde du Halfpipe. Et où est-ce que tu as fait aujourd'hui la différence ici à l'Alpe d'Huez selon toi? Parce qu'il y a eu le général puis aujourd'hui, comment tu as fait la différence? C'est les figures, c'est le style? Je pense que j'ai fait la différence avec continuité. J'ai, dans toutes les trois étapes, j'étais là et j'ai fait une deuxième place et les autres filles ont raté une étape ou une manche et ça fait la différence. Et, les autres filles, on voit encore un peu plus de tricks, mais je pense moi, j'ai un beau style et quand je fais mes tricks très propres et ça fait aussi, c'est très important aussi. Ok, je vais te demander, déplaît ton nom, Catherine, comment tu l'écris? Catherine, c'est K-A-T-R-I-E-N. Ok, et ton nom de famille? Arts, A-E-R-T-S. Merci. C'est pour le monteur derrière. Ouais. Merci.